Ok, donc là ça marche pas. Non, non, le 1 pour. J'ai un gars en rab, mais faut qu'il commence à. Faut qu'il commence à travailler la terre, mais comme il a pas la maison sur la ferme, il mettra beaucoup plus de temps à rendre la terre. Et là, par exemple, le problème, c'est que mes gars, ils sont pas précis du tout, quoi. Donc, pour tuer un gros monstre, ça va être compliqué, quoi. Bon, là, ce qui est bien, c'est que je vais perdre des archers. Alors, par contre, je vais me retirer. Ok, donc là je vais perdre des archers qui vont remonter dans les tours. Très bien. Déjà, ça va peut-être permettre aux lapins de revenir. Faut partir là-dessus. Parce que j'avais beaucoup trop d'archers. Donc déjà, si les lapins qui sont de ce côté-là, par exemple, arrivent à venir dans ce bush et à grandir, ça sera très bien. Là, c'est juste pour finir l'île, quoi. C'est juste pour finir l'île. Donc c'est bon, mon fermier est parti. Ok, il a sa ferme. Normalement, là, il lui faudra 2 ou 3 jours en effet pour la rendre rentable, pour qu'il lâche les premières pièces. Pour l'instant, on va aller faire la chasse au cerf. On va essayer de lui faire sa maison. Donc pour ça, il faut attraper un cerf et il nous en faut deux. Deux cerfs. Non, il n'y en a pas un qui a une pièce, hein. Pas un seul. On va essayer de récupérer un maximum de cerfs et les ramener ici, mais alors ça va être compliqué. Hein. Il faut aller les chercher loin en plus, les cerfs. Alors, un. On va essayer de prendre d'abord les plus lointains. Ça serait bien. Lui nous suit pas. Tu me suis ou bien? Oui, il me suit, celui-là, c'est bien. Ok, deux. Allez, venez derrière moi. J'en ai perdu un, non. C'est bon, j'ai le deuxième. C'est bon. On a 8 pièces. Donc maintenant, il va falloir recruter principalement des fermiers. Donc, fabriquer la ferme. Voilà, ce qu'il a commencé, mais... Ok. Donc normalement, le fermier va se rendre ici.
On va laisser travailler un petit peu. On va aller chercher. On va aller chercher des pièces encore. Ah, et là, on a vraiment plus aucun lapin, quoi. Il y en a tellement eu qui sont venus de ce côté-ci qu'il n'y a plus un lapin, quoi. Allez, viens, Coco. Allez, on va retuer des cerfs. Allez, venez ici. Bah, je pensais pas que mon cerf, ma monture me servirait autant. Parce que là, elle nous sauve complètement la run. Hein. Je l'aurais pas débloqué, je saurais pas quoi faire. Enfin, si, essayer de faire peur au cerf, mais. Ça serait compliqué de faire peur au cerf. Hein. Allez, viens avec moi. Ok. J'ai besoin de pièces, viens avec moi. Ça marche. Donc il me faut un recrutement et je vais demander une faux en plus. Et je pense que je vais, avec l'argent, je vais augmenter certaines tours pour diminuer le nombre d'archers. Enfin, finir. Enfin, faut que je finisse. Faut clairement que je finisse mon bateau. Déjà, ça va m'enlever 4 archers. Plus m'enlever la croisade qui est carrément sur la droite. Allez, toi, t'as dû déjà avoir des pièces, non? Oui. Bien. Donc ça c'est rentable. Donc on va en mettre un autre. Donc on en a deux. Supplémentaire, on peut passer à 3 fermiers. Ok. Et on va utiliser ces deux pièces qui nous restent pour le bateau. Là, il n'y en a pas un qui a une pièce, quoi. Je vais aller voir si de l'autre côté ils ont de quoi faire, mais là on est jour 30. L'hiver va pas tarder théoriquement. Oh, j'ai un cerf ici. Ouais, les gars, ils voient tellement. C'est une monture, c'est bon. Ils font un massacre, quoi. Allez, viens.
Ok. Oula! Bon bah je crois que le fait de perdre des archers, ça a servi. Ça c'est bon, ok. Ouf. Bon, le bateau part. Et maintenant, il va falloir de l'argent pour faire partir la croisade avec le bateau. Bon, là on n'a pas mieux. Un problème, c'est qu'on diminue aussi nos défenses, hein, mais allez, c'est bon, on commence à faire partir maintenant. On va pouvoir respirer un peu. Et on va pouvoir augmenter des tours, on va pouvoir faire en sorte qu'on puisse être efficace parce que là c'était chaud, hein. Ok, donc là le cerf se sacrifie pour nous, c'est sympa de sa part. J'ai plus de maçon. Alors, si j'ai plus de maçon, ça m'embêterait là. Les pièces, toi aussi? Est-ce que la tour a été reconstruite ou améliorée? D'accord, c'est lui qui le fait, ça marche. Et est-ce que de l'autre côté, c'est en fait un gars de...
un gars de la catapulte ou pas? Non, c'est bon. Vous voyez, en fait, là, ils sont en train de chasser. Ah, d'accord, merci. Ouh, purée, ça, c'est plein de pièces, c'est bon. Ils sont en train de chasser les cerfs qui apparaissent de ce côté-ci. Ok, déjà ça va diminuer un peu le nombre de chasseurs. Et on va pouvoir remettre donc des pièces dans les archers, dans les fantassins. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis, hein. Ok, on a perdu quelques arcs. Et apparemment, il y a l'air d'y avoir un gros qui crache des monstres. Ok, donc on va améliorer les archers parce que ça devient urgent. Alors, on va rajouter un maçon de plus. Ah, toi t'avais des pièces, merci. On va remettre quand même quelques archers. Et des fermiers. Ok, là, est-ce que vous voyez des pièces? Donc, attaque lune de sang. J'espère qu'ils ont fini de construire la tour à 3 niveaux, sinon on n'est pas bien. Enfin, vous me direz, c'est pas forcément le plus grave, mais... Ça serait préférable qu'elle soit construite. Au moins on pouvait s'assurer de d'avoir une défense complète. Est-ce qu'elle est construite cette Oui, elle est construite. Il est où mon chien? Il est là.
On va voir dans quelle mesure déjà. Ok, on a déjà perdu les gars qui devaient être en l'air apparemment. Et d'un tué, c'est déjà ça. Ok, ils arrivent pas à tirer trop pour l'instant, donc on est gagnant encore. Le mur a tenu. Et par contre, va falloir recruter. Là, cette fois-ci, on va être obligé. On a perdu beaucoup de monde là. Ah, vous voyez, ils ont deux archers à chaque fois. Bon, on devrait tenir, je pense, mais... C'est compliqué. On va rajouter quelques archers supplémentaires quand même. Je préfère faire comme ça et m'assurer d'avoir des pièces. Non, toi t'as plus rien. Ok, toi tu vas faire un nouveau champ. Ça, c'est bon. Pourquoi les volants s'en vont? Tout simplement parce que, en fait, une fois qu'ils ont pris suffisamment d'hommes, ils peuvent plus emporter de plus, donc ils partent. Voilà. En fait, ils peuvent transporter que deux hommes. Mais quand ils le transportent, ils font tomber et son arc et la pièce qui a permis de recruter. Donc le problème des volants... C'est que bah, ça devient une vraie plaie, vraiment, puisque le coût de recrutement c'est une pièce, plus le prix de l'arme, ça enlève beaucoup. Et pour l'avoir, c'est assez compliqué en fait. Faut vraiment qu'ils se mettent en travers d'une flèche ou en travers d'un boulet de canon. Sinon, bah, tout simplement, tu le touches pas. Et c'est assez compliqué, je trouve. Bon là je vais essayer d'avoir le maximum de pièces et à partir de là on va aller voir où en est le bateau parce qu'il a dû avancer depuis le temps quand même. Il faudrait qu'on emmène le petit gars avec nous en plus. Par contre, je sais pas pourquoi les maçons sont partis de l'autre côté. Et ça m'inquiète parce que ça voudrait dire par exemple que le bateau a été attaqué, mais il n'y a pas de raison qu'il soit attaqué. Et j'ai pas lancé de construction quelconque. Ah, ils améliorent les murs. Oui. Parce que j'ai fait la statue, donc ils vont rendre les murs plus résistants. Qui est très bien en soi. Ah, faut que j'aille chercher le petit gars avec moi, et puis on va aller voir... On va aller se téléporter et aller le plus loin possible. Tant pis si on n'a pas suffisamment si on n'a pas suffisamment de pièces pour bien commencer la map suivante.
en partant avec rapidement et de la ferme. Voilà, ça c'est bon ça. En partant avec des fermes et de la chasse, on pourrait être rentable beaucoup plus facilement et après se permettre d'avoir énormément d'archers pour la défense. Allez, il est où le bateau? Ok, il est relativement loin. Ah bah voilà, c'est très bien. Regardez où il est le bateau. Alors on avait vu que sur l'île précédente il n'y avait que 3 chevaliers qui étaient montés avec leurs soldats. On va voir si cette fois-ci il y a bien les 4 qui montent. Ça serait sympa. Ah, cette fois-ci j'ai les 4. Ce qui n'était pas le cas dans... sur l'île 3, donc ok. Donc ce qui veut dire que théoriquement on pourra en embarquer 5 sur l'île suivante. Bon, la couronne est sauve, qu'est-ce qu'on a récupéré? L'ours, d'accord. Et je sais toujours pas à quoi sert le petit bonhomme qui est actuellement avec le cerf et la statue du paysan. Je pense que c'est celui qui permet de faire les balistes, mais j'en suis pas sûr. Donc on va voir. Oh purée, c'est déjà 1h du matin. Dis donc. Ok, donc c'est bon, on a trouvé... Ok. On a trouvé notre île. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci? Pas de recrutement, quoi que ce soit, donc ça, déjà, ça va sauter. On va faire un peu de chasse de ce côté-ci. Et on a trouvé le chien par contre, d'accord. Oh, j'ai cru que c'était déjà la nuit, je commence à avoir peur. Oui, je mettrai certainement la rediffusion du live sur la chaîne. C'est quoi ça? Ah, c'est l'ours. Bon. L'ours, on va le laisser tranquille pour l'instant. Allez, mange si tu veux. Est-ce qu'on a de quoi? Non. On n'a pas de quoi. Allez, venez avec moi les cerfs. Bonne nuit. Alors j'essayerai bien l'ours, mais je sais pas à quoi il sert pour l'instant. Donc on verra. On va essayer de ramener un peu toutes ces biches.